Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. D'accord, elle s'est assise comme si elle était chez elle. Et bienvenue à la Playroom sur l'épisode 2 Fallout 4, chers amis. Donc je pense que vous avez reconnu à l'armure que je suis bien équipé. Donc on va se retourner et aller directement dans la cabine du capitaine pour la mission de l'Institut. Donc qui est de retrouver un je dois vous dire quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais vous donner le code de rappel de B592. S'il l'entend, ses fonctions cognitives seront réinitialisées et il deviendra docile. Vous devez dire B592, réinitialisation totale, suivi du code d'autorisation Gamma 71 Epsilon 2. Quand il aura été neutralisé, je pourrai le ramener en toute sécurité à l'Institut. Bien. J'aimerais éviter toute violence inutile. Il aura sûrement des gardes. Je ne suis pas certain qu'on puisse éviter d'avoir recours à la violence. On verra. On peut y aller quand vous voulez. On va essayer de pacifier un maximum de gardes, chers amis. Gamma 71 Epsilon. Souvenons-nous-en. Souvenons-nous-en. Ok, terminal de Gabriel. Donc ça, c'est pour vous donner des remords, chers amis. Donc non, c'est sur celui-ci, c'est sur ce truc qu'il a été réinitialisé, en fait. Voilà. C'est sur ce truc qu'il a été réinitialisé. Ok, donc on va essayer de pacifier des gens. Merde. What the... Oh! Oh! Excuse-toi! Bien joué. Avoir votre équipement. Très impressionnant. J'imagine que vous êtes deux agents de l'Institut. Vous êtes arrivé au sommet. Alors dites-moi, l'Institut est vraiment désespéré au point d'avoir besoin de piller le butin durement gagné d'honnêtes gangs du Commonwealth? B-592. Réinitialisation totale. Autorisation Gamma 71 Epsilon. Boss, ça va? Gabriel, t'entends ce que je te dis? Merde, ils lui ont fait quelque chose. Liquidez-les! Fais non. Non, je peux pas les pacifier. Veuillez cesser les hostilités. Mode de combat rapproché activé. C'est vrai que j'ai pris cher jusque là. Bouffez-le! Les ennemis s'éloignent. Vous appelez ça un combat? Les ennemis s'éloignent. Ils se soignent en même temps. Activation des défenses secondaires. Vite fait, bien fait. Elle me saoule avec sa batte. Beau travail. Voilà ce que j'ai sur moi. Oui, tu me saoules avec ta batte. Tétique. Merci. Ici X688. Avez-vous trouvé prêt quelque chose d'intéressant? Hop les. Ça c'est fait. CEO's Ring. On va l'ouvrir, on va aller voir ce que c'est. Il faudrait vraiment que je me renseigne sur le mode, mais le problème c'est que en fait faut que j'ouvre internet pour l'ouvrir. Faut regarder le mode. Pour regarder ce que font les. Les différents anneaux. Oh, un gros coffre. Terminal nécessaire et terminal maître, chers amis. Intéressant. Aventure. Qu'est-ce que c'est que cette vision du terminal? Aventure, non. Allégiance. Donc c'est pas le premier A. Florished, quand ça finit par ED, on peut imaginer que ce sera un ED à la fin. Le problème, c'est qu'allons-nous avoir suffisamment de chance pour retenter le craquage? Oui. Alors maintenant, est-ce qu'on va pouvoir en supprimer quelques-uns pour être sûr de notre déduction? Alors.
Pas beaucoup de chance jusque là. C'est assez mal parti. Si, on en a un ici. Et ce sera tout. Donc, je vais tenter le Retaliated. D'accord. Génial. Voilà, donc c'était bien le ED. Hop, déverrouiller le verrouillage. Enfin, désactiver le verrouillage. Hop, alors 20, des munitions. Alors celui-là, faut surtout pas le porter, chers amis. Et je m'en étais souvenu exprès. Celui-là, en fait, en le portant, vous voyez toutes les vies à l'écran. Vous savez le truc rouge là qu'on a vu la dernière fois, ou vert. Je ne sais plus la couleur exacte. D'accord, c'est là-dessus qu'il faisait... qu'il jouait au pirate, en fait. Pourquoi pas. Pourquoi pas. La quête en question, retour au bercail, retourner voir père. Ah bah écoutez, on y retourne. Par contre, venir avec une armure assistée dans le truc, je sais pas si c'est la... Bof, c'est pas grave. Ils vont s'habituer, hein. L'Institut, c'est parti. C'est tellement joli dedans. Ok, ça c'est l'image de télé... Ah d'accord, j'arrive au centre. Ah bah cool. Écoutez, cool. Ouais, cool. Cool, c'est pas grave. Allez voir Père. Est-ce que j'ai pensé à désactiver l'interféromètre ? Donc Père qui est en fait au-dessus, hein. Alors. Je ne sais comment vous dire à quel point je suis honoré de me tenir devant vous. Oh, c'est gentil. Eh, franchement, putain, le respect, il est là, quoi, merde. Alors la confrérie et son machin militaire, là, oui, peut-être. Je m'excuse d'avance pour tous les désagréments que mon travail pourrait vous causer. Oh, mais regardez ça, la gentillesse. Bon, je me gare. Permettez. Merci. Ah oui, je suis pas encore aux couleurs de l'Institut, mais ça ne saurait tarder. Heureux de vous retrouver indemne. Je sais que la tâche était ardue. Mais il fallait que vous constatiez par vous-même le danger que représente un synthétique renégat. Oui, j'ai vu. Heureusement que c'est fini. Gabriel et sa bande n'étaient que des ordures qui exhibaient leurs victimes comme des trophées. On a bien fait de l'arrêter. Bien que nous ne puissions plus rien faire pour les victimes de Gabriel, au moins la menace a été éradiquée. C'est déjà une consolation. Voilà. Ils sont plus, malgré que ce soit des synthétiques, ils sont plus humains que la confrérie. Vous avez rempli votre mission. Et vous nous avez ramené notre synthétique en bon état. Je ne pouvais espérer meilleure issue. Excellent travail. Merci. En votre absence, j'ai fait préparer vos quartiers. Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin, ainsi qu'un bon stock d'armes et d'équipements. Allez y jeter un œil. Je pense que ça vous plaira. Allez voir vos quartiers. Génial. Je suis chez moi, non ? Qu'il est con, je me croyais encore avec l'armure assistée. Je vais aller chercher l'armure. Enfin, que je suis con plutôt. C'est mieux comme ça. Hop. Je suis un ancien modèle synthétique. Ne faites pas attention à moi. J'ai pas encore compris comment je fais rentrer le sac à dos, mais ça viendra. Bon, là cette fois je peux le faire. Donc apparemment c'est ici. Mes quartiers. Est-ce qu'il y aura mon nom sur la porte? Genre bonus? Est-ce qu'il y aura bonus sur la porte? Parce que vous voyez, regardez. Regardez. Il y a le nom, Thompson. Moi je veux mon nom sur la porte. Oh. Ah, c'était la porte qui était fermée. Il n'y a pas mon nom. Je suis vexé. Vos nouveaux quartiers sont ici. Merci X6. Vos quartiers sont juste à l'intérieur. J'aime pas le fait qu'il soit là. Genre, j'aime pas du tout. Quand vous en aurez terminé, Père souhaiterait vous voir. Mais je viens d'aller le... Oh, ce lit, ce luxe. Oh, des serviettes propres.
Des vraies cigarettes. Oh. Je veux prendre une douche dans mon armure assistée. Ah là 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 là. Ouah, le luxe. Tout ce luxe du PQ. Oh. Voilà, pour me rappeler les heures dures passées. Non, je rigole. Non, c'est la propreté maintenant, c'est... Des serviettes. Je peux me torcher avec des serviettes, regardez-moi ça. J'ai même des cartouches dans mon miroir. Ce bonheur. Bon, par contre, j'ai pas accès à tout ce que je pourrais crafter. Je suis en chambre T21. Bon, pourquoi pas. Hop, voilà. Ah, je croyais qu'il était là. Hop. Ne faites pas attention à moi. Ce bruit est tout à fait normal. Je suis l'un des vôtres. Bon, je suis pas encore dans la couleur qu'il faut, mais je suis l'un des vôtres. Mais je trouverai bien l'armure qui m'intéresse. Ça va, tranquille. On n'a pas les mêmes appartements. Oh. Bonjour, père. Bonjour, père. Dites-moi, que feriez-vous si quelqu'un vous volait quelque chose? Vous êtes un synthétique, et on est là pour vous ramener. Quel objectif admirable. Quoi? Malheureusement, nous nous trouvons dans une situation qui nécessite une solution plus radicale. L'organisation qui se fait appeler le Réseau du Rail a acquis plusieurs synthétiques de l'Institut, des synthétiques qui avaient disparu ces derniers mois. Ils veulent visiblement libérer ces synthétiques, parce qu'ils les croient doués de sentiments. Mais vous connaissez certainement leurs convictions erronées, ayant été en contact avec eux. Que dire? Que dire à propos de ces trous du cul? Il y a quand même un mec assez timbré, enfin... Ils sont fous. Ils sont fous de prendre ces machines pour des êtres vivants. Exactement. Ils ont beau croire qu'ils œuvrent pour une noble cause, ce ne sont que des voleurs. Ils ne représentent pas de réelles menaces en temps normal. Mais j'aimerais les convertir, à vrai dire. Ils se sont enhardis. J'ai bien peur qu'il nous soit devenu nécessaire d'intervenir. Nous savons où ces synthétiques se trouvent. Et nous devons les récupérer avant que le réseau du rail n'ait le temps de les cacher. Quel est l'intérêt? Je n'en vois pas trop l'intérêt. En plus de reprendre ce qui nous appartient, nous devons leur donner une leçon. Et sans tarder, qui plus est. Mais il va falloir agir vite, avant que le réseau du rail se rende compte que nous les avons localisés. Nous ne voulons pas non plus que la confrérie de l'acier découvre la présence des synthétiques. Ça ne ferait que compliquer les choses. Je ferai pas l'air bien compliqué. Un contact vous attendra à l'extérieur de Bunker Hill. Bonne chance. Ouais. Non. Non, ni l'un ni l'autre. Je devrais pouvoir être en mesure de me téléporter d'ici en plus. Non, non, je vais... Encore que le réseau du rail, c'est pas les pires. Mais en fait, j'aurais aimé pouvoir, entre guillemets, pacifier complètement le réseau du rail, mais je sais que c'est pas faisable, déjà d'une. Ah, par contre, ça c'est d'une discrétion, les amis. Enfin, sans vouloir vous vexer, hein, je viens d'être téléporté. Faut vraiment que je change ce masque. Hein. Et crois-moi, je vais le faire. Le marché, c'est le bâtiment blanc avec toutes les colonnes. Il y a toujours quelqu'un qui fait du commerce là-bas. Salut. En cas de blessure, Kay pourra vous soigner. Il n'y a pas mieux comme Toubib dans le coin. Ni comme Veto, d'ailleurs. Permettez-moi d'observer et d'analyser un maximum de formes de vie indigènes. Dans un but scientifique, bien évidemment.
Hop. J'ai retrouvé ma chambre. Je me demande s'il existe encore des météorologues. J'espère qu'il ne pleuvra pas. Je vous attendais. Oula, sarcastique. Ouais, il y avait la queue à la station de lavage. Ça m'a pris un temps fou. Si c'était de l'humour, c'est raté. Nos cibles sont à l'intérieur. Quatre synthétiques sous la protection du réseau du rail. La majorité des habitants n'ont rien à voir là-dedans. Ils prendront sûrement la fuite. La situation a l'air de s'être aggravée. Une approche discrète semble impossible. On entre, on sécurise les synthétiques, et je me téléporte avec eux jusqu'à l'institut. Compris ? Les paramètres de la mission viennent de changer. On ouvre les hostilités. Demande de renfort immédiat. Merde. Je me suis fait avoir. Les mecs ! Monsieur, les ennemis ont été éliminés. Bordel ! D'après ce que j'ai lu, il faut remplir un rapport de police et mettre toutes les. Vous voulez pas vous faire ça ? Pas moyen de crocheter. Crocheter n'est pas un problème. Je vais pas m'en sortir. Oh, putain. Bunker Hill est à nous. Cassez-vous. Les mains en l'air. Putain. Tu te calmes. Tu peux pas te calmer. Calme-toi. Merde, ils ont pété le vertiptère. Oh merde, ils sont planqués dedans. Les mains en l'air. Putain. Hop. Pas un geste. Hop. J'aimerais en pacifier le plus possible. Un imbécile. C'était un imbécile. J'ai cru voir quelque chose. On y va. Je vois plus personne. Vous avez entendu quelque chose ? Pas un geste. Elle a disparu. J'essaye, hein. Croyez-moi, je fais ce que je peux. C'est une blague. Hey, je les tue pas ! Il y a quelqu'un non loin d'ici. Curie qui veut me la faire à l'envers. Ah bah non, c'est pas maintenant qu'il fallait le faire. Désolé. Ça me plaît pas non plus, Curie. Tu le sais. Vous ne voulez pas filer gentiment, non ? Non. Kenigou ? Je pense avoir détecté un comportement anormal. T'as tiré sur Kenigou. T'as quoi comme arme ? Putain, mais il a quoi comme arme ? Ghost Rifle ! Ah, j'en ai retrouvé un, cool ! Curie ? Mais non, Curie ! Vos chances de victoire sont quasi nulles. Curie ! Ah non ! Ah non, 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 pas Curie. Un instant, chers amis. Heureux, chers amis, alors on va essayer un truc. Parce que j'ai vraiment pas envie de perdre Curie, hein. Ok. Hop. Alors. Target ID. Point. Mode. AV. CA Affinity. On va le mettre à 400. Syntax error. Target ID. Pourtant, j'ai pas fait de faute.
Pourquoi ça marche pas? Syntaxe erreur. Pourquoi ça marche pas? Peut-être qu'il faut que je la vise, je sais pas. Attention! Faites quelque chose! Sans moi! Merde! Ou alors peut-être qu'il faut que je fasse. 9. Merde. 0 0 1 0 2 2 4 9. Modave. CA. Infinity. 400. Mais non! M'en veux pas! Alors peut-être que c'est 7. Hop. Violente réduit. Mais non. L'espérance de vie. Gars. Ou get AV alors. Ça dépend. Allez, Curie. Bon sang, où vous vous cachez? Qu'est-ce qu'elle fait? Mais non, elle chie dans la colle. Ah, fait chier. Gars. Non, je veux pas qu'elle... Ah non, je veux pas, ça je veux pas. Un instant, je reviens, chers amis. Re, chers amis, alors, vous allez voir que moi j'ai refait une grosse partie de l'histoire, là. Après 15 minutes d'histoire que je viens de me retaper. Oh non, je me suis fait toucher. Alors, j'ai ajouté un mode pour que aucune affinité soit négative, enfin, que les affinités négatives soient prises en compte, mais qu'elles ne puissent jamais tourner, se retourner contre moi, simplement. Donc voilà exactement ce que fait le mode. Alors, maintenant il n'y a plus qu'à espérer que ça fonctionne. Yo. Je vous attendais. Sarcastique. Ouais, il y avait la queue à la station. Si c'était de l'humour, nos cibles sont à l'intérieur. La situation a l'air de s'être... On entre. J'ai besoin de grenades. La mission vient de changer. Non, ça ira, je te remercie. Les hostilités. Demande de renfort immédiat. Donc, je sauvegarde maintenant. Kanigou ! Non, c'est pas Kanigou que je voulais. Tu t'arrêtes. Je me demande si les données que je récupère... Pas un geste, agent. Bon, il a été abattu par mes amis alors que je l'avais neutralisé, c'est dommage. Merde, activation des manœuvres cassées. Application des protocoles de l'institut. Ce n'est pas ce que je voulais. Ne tirez pas. Ne tire pas. Grenade. Pas un geste. Merde. Pas un geste. Du calme. Main en l'air. Ah putain, je veux pas t'abattre. Oh, par contre, faut que j'apprenne à viser. Hop. Je suis désolé, docteur. Putain, mais ils envoient des grenades à chier partout. Les mains en l'air. Désolé. Du calme. Main en l'air. Désolé. Je ne veux pas vous abattre. Stockton. Bon sang, ça n'en finira pas. Je veux pas vous buter. Hey, j'ai besoin d'aide. Je laisserai personne se faire tuer. Bordel. Cours, je dois m'aider. Qu'est-ce qui s'est passé? Du calme. Main en l'air. Je veux pas vous buter, putain. Tiens, bouffe.
On se calme. Putain, mais bande d'abrutis, je veux en tuer le moins possible. Tiens, bouffe, ça prendra, tu prends pour tout le monde. Hop, ça c'est fait. Toi, je te reconnais. C'est toi qui as mon flingue. Hop, espèce d'abruti. Moi, je veux pas vous buter tous. Qu'est-ce que... Oh la vache. Bon, ok, tu l'as cherché, j'en ai plein le cul. Ils l'ont cherché, chers amis, ça va chier. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? C'est pas ça? Si, c'est ça. Tu me fais chier! Tu me fais chier! J'en ai plein le cul! Vous me faites tous chier! Curie, t'es où? Non! Tu me fais chier! Putain, Curie est ennemi! Curie est ennemi. Fais chier. Donc je vais renvoyer Curie à la maison. Faut pas qu'elle participe à ce combat. Donc le mode marche pas à mon avis parce que c'est pas un des followers habituels. Donc je reviens, chers amis. Je pense que Curie rentre là-bas. Donc on devrait être bon. Cependant, ça veut pas dire que je vais être plus sympathique. Alors, j'espère que ça va marcher maintenant. À la base, c'est pas celui-là que je... Oh, si, pourquoi pas, tiens. Hop, on y va. Hop, cassez-vous, vous me faites tous chier. Hop. Mon ghost rifle. Il est où? Où est-ce qu'il est, mon canon ghost? Bon, il s'attaque tous à la Bramine, donc on va tous attaquer à la Bramine. Salut. Ça, c'est à moi. Hop. Je t'aurais pacifié, j'aurais essayé. Bunker Hill est à nous. Détruisez tous les synthétiques qu'il cache. Élimination de l'ennemi. Attaquez ma carte. Hop. On n'a plus rien à foutre. Hop, vous allez tous crever maintenant. Est-ce qu'il reste des ennemis? Kate, t'es une ennemie maintenant. Deb. Curie a détesté, putain. Non. Ah non. Ah non. Je l'entends. Putain, j'entends Curie. J'engage le combat. J'entends Curie, fais chier. J'ai entendu Curie. J'aimerais la trouver. Élimination de toutes les formes de vie hostile. J'ai un mauvais pressentiment.
mauvais sentiments. Alors là, elle va détester aussi. Putain, elle est pas loin. Je croyais que... Non, c'est quoi ? La voilà, elle est encore là. Alors là, je sais pas quoi faire, chers amis. Franchement, je ne sais pas du tout quoi faire. Franchement, je sais pas quoi faire. Ça me fait vraiment chier, là. Bon, bah, un instant. Bah, en espérant que cette fois-ci, ça marche, parce que là, elle se barre pour de vrai. Cependant, j'aimerais ne pas participer du tout au combat. J'aimerais me barrer loin. En tout cas, suffisamment loin pour pouvoir... Il y a un truc devant. À fond, j'aimerais ne pas avoir justement de combat. Voilà. C'est comme ça qu'on va faire, chers amis. On va voir si ça marche. Je vais me téléporter à Sanctuary. Et je vais y faire... Je vais y dormir quelques jours. Histoire qu'elle vienne. Qu'elle revienne ici. Et on verra bien comment ça va se passer. Donc, je l'ai fait venir. Excusez-moi. Vous avez besoin de moi, monsieur ? Comment ça va ? J'ai envie de repartir à la découverte du monde. Je suis tentée de le faire seule, mais c'est trop dangereux. J'espère que nous aurons l'occasion de repartir à l'aventure ensemble. Ouais. Dans l'intérêt de la science, bien entendu. C'est gentil. Tu vas rester là. Tu restes là. Le château a essayé de vous contacter par radio, apparemment. Kanigou. On dirait qu'il y a un problème. Kanigou. Tu restes. Attendez là. Non, ouais, enfin, c'est pas ce que je voulais faire. Annulé. C'est pas ce que je voulais faire non plus. Tu vas me suivre. Mais en vrai, en fait, comment je vais te parler. Et tu vas rester ici. Allez, mon grand, va m'attendre à la maison. À Sanctuary. Entrez. Voilà. Je vais faire ça tout seul. Je vais faire ça tout seul. J'hésitais justement à te prendre, tu sais. Si vous voulez faire une petite pause, j'arrêterai de me plaindre quand j'aurai plus de raison de me plaindre. Suffit de le dire. Ouais. J'hésitais. La plupart des gens sont doués pour casser des trucs. Moi, bon. J'aime bien les réparer. Vous savez quoi ? Depuis notre conversation, je me sens en pleine forme. Nous deux, à Sanctuary. Pareil pour l'avenir. Je sais pas quoi faire, chers amis. Est-ce que je dois prendre quelqu'un ? Est-ce que je ne dois pas prendre quelqu'un ? Je pense de toute façon que j'ai eu assez de bugs pour cette... Ça m'a assez saoulé le fait que le mode marche pas, que les trucs marchent, que les commandes soient mal expliquées en fait simplement sur le wiki du jeu. Enfin bon, écoutez. Bah, je pense qu'on va se laisser là. Moi, pendant ce temps-là, ce que je vais faire, c'est télécharger d'autres modes, équiper quelqu'un d'autre dans son style approprié, entre guillemets. Pourquoi pas Kate, après tout, hein, je serais bien content de l'avoir avec moi. La plupart des gens ou Hancock. Non, Hancock, il serait pas assez fou. Peut-être plus Kate. Je ne demande pas la lune. Juste une bouteille de whisky et une bonne bagarre. Quant à ça. C'est moche en plus, c'est une mauvaise texture. Bon, bref, non. Je verrai pour elle. Je pense qu'on va l'emmener avec nous. De toute façon, elle pourra gueuler comme elle veut. Elle a subi un triste déclin depuis les bombes. Mais tu restes là. Vous avez besoin de moi, monsieur ? Attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais. Hop. Tu m'accompagnes ? Tu m'accompagnes à nouveau. Dans ce cas, allons-y. Voilà. Commander. Hey. Histoire qu'on soit sûr qu'il reste ici. Oui, j'aimerais te renvoyer. On devrait se séparer un moment. Je suis impatiente de repartir à l'aventure avec vous. Tu m'étonnes. Et tu restes donc à Sanctuary, s'il te plaît. C'est histoire qu'on s'assure. Et si vous avez le même problème, chers amis, bah, n'hésitez pas à faire comme moi. Hein. Vous dépatouillez avec les commandes pour ramener votre personne ici et être sûr qu'elle soit très très loin du champ de bataille. Je suis assez déçu, j'irai voir en espérant ne pas me spoiler d'ailleurs. What the fuck ? Il y a eu une explosion ou c'est moi ? Non, ça devait être moi. Ouais, j'irai voir quelque part sur internet, voir si on peut par exemple, si c'est dans la quête qui a fait qu'elle m'attaque ou pas. Je vais te donner une bonne raison, je vais faire en sorte que j'ai une bonne raison de mater ton cul. Je te le dis. Voilà. Donc voilà, chers amis, on va se laisser là pour cet épisode. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Oh, ça va être tellement bien quand elle va disparu parce qu'elle parlera beaucoup moins. Oh, elle parlera beaucoup moins. Heureux, chers amis. Donc en bonus, je vous mets notre nouveau follower qui va nous suivre quelques temps. Donc on l'avait viré. Vous vous rappelez qu'elle était un petit peu trop. Chaude.
Donc, je l'ai équipée, hein, elle a une arme que j'espère elle utilisera. Mais je l'ai aussi équipée, donc vous voyez, donc, d'une tenue que vous ne retrouverez nulle part, hein, qui est une tenue d'un mod. Tenue qui va bien, je trouve, avec son style à elle, personnellement, je trouve. Voilà, je vous éclaire un petit coup. Avec deux flingues sur les côtés, vous pouvez voir. Hein. Hop, gauche, droite. Regardez les flingues. Hein. Une ceinture, donc des gants avec des bracelets. Hein. C'est des gants assez solides, normalement. Enfin, qui ont un look qui fait solide. Une armure de combat, donc sans le chest. Juste au niveau des bras, vous voyez, et des deux jambes. Toujours en black, hein, en ombragé. Je ne sais pas encore quoi lui mettre en tête. Peut-être que je lui mettrai rien, parce que bon, c'est chiant, je trouve. Donc de ce point de vue-là, je trouve qu'elle est assez stylée. Donc j'espère qu'elle vous plaira. On la reprendra donc dans le prochain épisode. C'était Marcus Bonus dans la Playroom pour ce petit bonus supplémentaire à la vidéo. Je me sens pleine forme. Oh, je vais la battre. Je vous promets que je vais la battre. Pareil pour l'avenir. Tu sais, je peux pas lui parler pour lui dire d'aller voir Jean Rayer. Maintenant que vous êtes de retour à Sanctuary, ça vous dirait d'avoir du travail? Un boulot? Pour moi? C'est vrai? Ouais. Ouais, je pense que votre expérience en matière de vente pourrait être un atout. Je voudrais que tu sois représentant de... Non, je voudrais l'envoyer au château. Tiens, voilà, confirmez le déplacement. C'est vrai? Mais c'est génial. Je ne vous décevrai pas. Ah bah attends, tu peux pas plus me décevoir qu'en restant là, donc... Au fait, j'ai oublié. J'aurais dû l'envoyer, je sais comment, la confrérie de l'acier, ils aiment pas les goules. Pourrir la vie de ceux qui cherchent tout simplement à survivre. Bon. Donc voilà les amis, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour votre aventure. Salut les gens. Et yop.